Petit, ce qu'il y a derrière cette porte va te laisser sur le cul. Je te présente, gamin. Le futur. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, et bienvenue! Bienvenue dans la suite de The Artful Escape. La dernière fois, je vous les avais laissés abandonnés sur un cliffhanger du futur. Et du coup, on pénètre dans la maison de Lightman. Voyons voir. Luxury Package, c'est quoi cet endroit? Comme un agent de voyage? Luxury Package? Du cosmique extraordinaire? Très bien, allons-y. Le cosmique extraordinaire. Ah! C'est marrant, ça ressemble à une poste. On dirait un truc à Amazon, un mélange entre la banque et la poste. Ou la banque postale. Je viens juste de réaliser. Okay. J'ai jamais entendu parler de ces endroits. Cosmique extraordinaire, départ jamais. Niveau de danger 4. Héliotromes, départ jamais, jamais, vraiment. Danger de... Niveau de danger, Cantalou. Cantelou. Destination Glimmerdim, qu'on pourrait traduire par faible lueur. Départ dernier mardi. Voilà. Of course! Niveau de danger, hippocampe. Et enfin, destination Wild Zone. Départ, prochain anniversaire. Niveau de danger, dauphin. Eh bien. Et du coup, pour aller à Châtelet? Francis, un petit avertissement. Il faudra que tu passes par un service juridique, évidemment. Ah bon, excuse-moi, j'ai pas la voix qui est prête. Évidemment. Droit à l'image, synchronisation, licence narrative, assurance, royalties, posthume, signature spectromique, bref, le deal. Lis vite, garçon! T'as pigé? Rien du tout. Signature vocale acceptée. En avant! Eh ben, on aurait dit la vitesse de signature d'un contrat pour entrer dans un club SM. Bob, comment tu serais au courant pour... Oh là là, regardez. Tout ce marbre sur le mur. Oh. Fouah. Ici, à Monstres et Compagnie, nous gérons l'énergie de tout le pays des monstres. Comment ça peut rentrer sous Calypso? C'est impossible. Wow. Oh là là, les lumières sont kino. C'est donc ici le fameux métro sexuel dont tout le monde n'arrête pas de me parler. Passer cet écriteau, c'est faire l'amour à la mort. Franchir cette limite, c'est la mort assurée. C'est une image assez puissante. Très évocatrice, effectivement. Et ben voilà, j'ai franchi le Rubicon. Et sans rubis. Allons-y. On va affronter la mort? Un jour, gamin, comme tout le monde. Tu vois cette porte? C'est la fin de tout ce que tu as toujours connu. Derrière cette porte se trouve le cosmique extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la matière grise entre les lobes de l'univers, gamin. L'extérieur de la réalité. Souvent décrit comme les morceaux intermédiaires. Alors, c'est à thème. C'est un restaurant à thème, en fait. Si tu veux qu'il y ait un restaurant, il y aura un restaurant. Si tu veux des flamants roses, il y aura des flamants roses. Ou des typhons, ou des sous-marins, ou le bâtiment du Parlement roumain. À quoi ça rime? À quoi ça ressemble, le cosmique extraordinaire?
C'est différent pour tout le monde, garçon. Pour moi, c'est un escalier en or délicatement tissé. Pour toi, qui sait ? Bienvenue. Bienvenue. Dans le futur. C'est donc ça, le futur. Pas exactement. C'est pas la même chose. C'est plus le futur. Et maintenant, impossible. De l'impossibilité, il y en a plein partout ici, gamin. Attends, tu vas où? T'es tout seul, gamin. Chacun emprunte son propre chemin dans le cosmique extraordinaire. Wow ! Tu cherches le poumon ! Le poumon cosmique ! Mais pourquoi tout est cosmique ? Parce que c'est le futur ! Bon bah... Bon bah, Cosmicon. Let's go! Le futur! Très bien. Du gameplay! Du plaisir! Oh! D'accord. Robot géant, ce plaisir. Oh là 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 là. Ah, c'est Unicron quoi. Le futur. C'est bon. Ah, trop court. Tout va bien. Fou. Eh mais putain. Quand même, le futur, ça arrive vite.
un joli petit morceau de poussière d'espace que voilà. Tu fais un drôle de son. Oui, je suis une merveille, c'est certain. Est-ce que vous êtes Dieu ? Oh, mon ange, tu es divin. Je ne suis pas Dieu. Tu sais, je l'ai vu une fois, de loin. Et c'était comment ? Elle jouait au flipper. Sans déconner ? Si, tous les grands sont obsédés par le flipper. C'est uniquement pour ça qu'on a créé l'univers. Quel nom tu te donnes, petite créature ? Ici, je sais pas trop. Je commence à penser à devenir une toute autre personne. Mon nom... C'est compliqué. En ce lieu, c'est toi qui donnes les noms. Mais fais le bon choix. Les noms peuvent s'emporter. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils vont faire un tour. Commence à respirer. Avant même qu'on ne s'en aperçoive, ils sont dans des livres ou sur des banderoles. Ils se griffonnent sur des manifestes. Un nom, autrefois sans grande signification, peut soudainement peser aussi lourd qu'un empire. Comment tu vas t'appeler ? Oh, let's go ! Tout puissant, courageux, terrible, méchant, puissant, cosmique, comique, merveilleux, délirant, nerveux, petit, colérique, rusé, gentil, cruel, chic, sagace, fantaisiste, perturbé, grossier, rare, délicieux, savoureux, barbant, capricieux, risque tout, classieux, pétardant, mortel, vindicatif, fuyant, fatal, glorieux, maigrichon, robuste, parfait, vaporeux, fou, furieux, flamboyant, dévastateur, curieux, sauvage, mystérieux, frénétique, sombre, lugubre, joyeux, sidéral, désordonné et coquin. Écoute. J'ai le nom parfait. Je suis le tout-puissant futur. Oh, let's go. Et je regarde s'il y a un autre qualitatif. Le courageux futur, terrible futur, méchant futur, puissant futur, comique futur, merveilleux futur, délirant futur. Merveilleux futur, marche aussi. Hein. Nerveux, petit, colérique, rusé, gentil, cruel, chic, sagace, fantaisiste, perturbé, grossier, rare, délicieux, savoureux, barbant, capricieux, risque tout, classieux, pétardant, mortel, vindicatif, fuyant, fatal, glorieux, maigrichon, robuste, parfait, vaporeux, fou, furieux, flamboyant, dévastateur, curieux, sauvage, mystérieux, frénétique, sombre, lugubre, joyeux, sidéral, désordonné et coquin. Très bien. Donc j'ai bien peur que... Voilà. Le tout-puissant futur, ça colle. Honnêtement, let's go. Je suis... Bah oui, je dis ça moi. Je suis le tout-puissant futur. Très bien, et où allais-tu, petite créature ? Au poumon cosmique, madame. Vraiment ? Tu es en tournée avec Lightman ? Bien, si tu le dis. Bon voyage! Wow! Mais je voulais juste me rendre à Châtelet! Bon.
Zom, qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Et pourquoi la qualité du vol était si... médiocre? J'ai même pas eu de boisson ou de film. Tu es à bord du poumon cosmique. Notre vaisseau pour traverser l'extraordinaire. Et ça veut dire quoi? Francis, est-ce que ton espèce se rassemble en caravane de débauche cacophonique et sans but? Tu veux dire un festival de hard metal? Quelque chose du genre, oui. Pourquoi tu n'irais pas explorer un peu, hein? Sentir les choses avec... tes appendices. Tu voudrais un conseil, humain? Bien sûr. Ne perds pas la tête. C'était bien mon intention. Bon. Eh ben, on dirait une reprise d'un album d'Hendrix venu de nulle part. C'est stylé, hein. C'est très stylé. Pourquoi l'alien il a la voix de saga des Gémeaux dans Chevalier abrégé? Bah, parce que c'est un alien. Et... ah! C'est détendu par ici. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie juste de garder ma tête. Ça paraît sensé. C'est assez important, la tête. Merci, beaucoup. Il y a tout un théâtre là-dedans. Et d'abord, c'est ça. Le bruit, c'est... Et ne manquez pas bientôt le concert de la Plavana Guna pour la croisière Flaston Paradise. En partenariat avec les croquettes Jimmy les croquettes. Wow, ça met le max. Attends, c'est d'abord. Eh ben, avec cette chanson, j'ai l'impression de pouvoir danser. Danse terminée, ouais. Lightman doit être en train de jouer ici. D'accord, il faut que je fasse le pré-concert de son concert à lui. Bon. Quel étage? En anglais, ça donnerait « Where to ?» que j'ai appris avec Might and Magic. Enfin, ouais, pas Heroes of Might and Magic, mais Might and Magic. Si tu joues à Might and Magic 5 World of Xin, tu as un serpent qui entoure une boule de cristal et quand tu lui parles, il te dit « Where to ?» comme ça. Et j'avais compris que c'était une question au début. Je croyais qu'en fait, avec l'anglais que j'avais, que c'était un bug et que le serpent, il parlait mal, en fait. Alors que c'est une vraie expression, « Where to ?» Allons-y. Where to, qui veut littéralement dire vers où. J'arrive pas à croire qu'on nous a laissé passer en coulisses. Je sais, reste cool, plus cool que d'habitude. Ça se met la max, hein. Bonjour. Il a jamais joué sur scène. Il a jamais quitté le Colorado. Tu vas lui faire frire le cerveau. Je crois qu'il y a un petit peu de magie en lui. Forcément. Il se prenait pour un musicien folk cet après-midi. Où est-ce que tu l'envoies? Aux héliotromes. Ah, bien sûr, aux héliotromes. Tu es pathétique. Pardon, mais c'est quoi les héliotromes? Ah, Francis, je savais que tu viendrais. Les héliotromes... Eh ben, pour moi, c'est un genre de monument.
payé par toi. Les débuts fantaisistes de ma tournée universelle de 51. La tournée où j'ai réussi à buffer avec le Glamourgon. Waouh, c'est quoi un Glamourgon? C'est un pourri. Marc, sérieusement, il va se faire vaporiser. Je m'appelle Lightman. Je recalibre les hologrammes pour le gamin. Ce sera de ta faute. Vraiment, elle tue l'ambiance, cette fille. Bon, maintenant, les rideaux approchent. Des questions? C'est quoi, des héliotromes, une salle de concert? C'est quel genre de concert? Non, je vais juste aller valser les yeux fermés dans l'inconnu. Si tentant que ce soit de poser la question... C'est quoi les héliotromes? Une salle de concert? C'est plus un genre de dimension. Les habitants ressemblent socialement aux chasseurs-cueilleurs d'Agta des Philippines. Leur richesse et leur statut sont déterminés par leur talent de compteur. Leur talent de compteur? Ils s'en nourrissent. Et c'est quel genre de concert? J'ignore s'il y a un équivalent terrestre, gamin. Quand les créatures achètent un ticket pour le poumon cosmique, elles ont la garantie d'un spectacle unique. Et c'est nous? C'est pas encore toi. On s'aventure dans des dimensions inexplorées, là. Joue au bord des falaises, glisse dans les amphithéâtres, rase les fondations de la réalité elle-même. Ensuite, tout est diffusé en salle, et en direct. En direct? Hein? Bon bah cool. Va voir Violetta, elle te mettra sur la bonne fréquence. Attends, est-ce qu'il y a autre chose que je devrais? Ok. Personne croira jamais à ça. Bon. Je sautille pour aller plus vite, hein. Attends. Ah, il dit toujours la même chose, ok. Et qu'est-ce qu'il y a à droite? Je peux prendre ton manteau. On offre un service professionnel et d'une discrétion exceptionnelle. Tu... On dirait que les manteaux, tu les vends, en fait. J'ai peur qu'on soit fermé. À chaque fois que je m'endors, je me réveille à l'extérieur de ma cabine. Oh. Effectivement, il prend les manteaux. D'accord, tu t'expliques. Très bien. C'est un peu le futur, quand même. Quel étage ? Elle est beaucoup trop excitée. Troisième étage. Wow. Qu'est-ce que je te sers? Attends, t'as quel âge? Bah 17 ans. C'est quoi un an? Ah. Écoute, si tu veux du jus de glam glam, c'est en bas. On ne sert pas trop les gosses ici. Pardon, madame. Ah! Zom, c'est trop dingue! T'as l'air d'une intelligence venue d'un autre monde! Je ne peux que présumer que tu es en extase et pris d'un sentiment d'émerveillement, hein, de majesté, d'un certain je ne sais quoi! Oui, sans doute. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles pour le poumon? Je suis le second du capitaine Lightman. Je m'occupe de ses affaires, j'anticipe ses besoins et je dégote l'impossible. Cool! Quel genre de truc impossible? Est-ce que tu as traversé l'opéra autrichien? Je l'ai volé. Tu as volé tout un opéra? Tout un théâtre, oui. Il y a tellement d'opéras à Vienne qu'il est facile d'en piquer un et de disparaître avec. J'ai laissé une réplique en papier mâché à la place. Putain, il est fort! Quoi, ces petites couilles? Je peux pas les rattraper! C'est terrible. Quel étage? Aucun, s'il vous plaît. Oh. Voilà, là, là. J'avoue, l'opéra viennois, c'est quand même la max. Ah,
la régie. Mais c'est ma guitare! Attends, on va lui parler explore. Ne faites pas attention à moi! Ok. Je sais pas pourquoi je lui donne un accent russe, mais let's go. J'ai été évoqué par un accent russe pendant une seconde. Ça met le max. Violetta, tu dois me sortir de là! Ne regarde pas quand je travaille! Pardon. Je regarde pas. À quoi tu pensais en venant ici? Bah, c'est de ta faute! J'ignorais complètement en quoi je mettais les pieds, moi! Mais je voulais pas de toi pour le concert, hein, c'est Lightman qui a voulu. Et uniquement parce qu'il n'y avait personne d'autre. Je dois retourner à Calypso. Pour ton grand concert, hein? Oh, merde, le concert, j'avais complètement oublié! Écoute, Francis, cet endroit, le poumon, on y fait 3 concerts à chaque tournée. C'est le contrat. Pas de concert, pas de contrat, pas d'accès à la gare suivante. Tu joues pas, tu rentres pas chez toi. Je crois que je vais vomir. Une voix de robot. Bon bah écoute. Relais connecté avec succès. On a fini. Autre chose? Qu'est-ce que tu fais ici? Les passagers croient que je bosse à la maintenance. Ils peuvent pas savoir. Savoir quoi? Que je commande ce vaisseau! Et que je suis, sans conteste, la plus grande artiste laser de la galaxie. Sérieusement? C'est super cool! Ah, tout ceci est une erreur, je joue de la folk! C'est ce que j'ai toujours joué! Si tu le dis. Enfin, je trompe personne. Personne ne me verra danser partout comme un Starman. Toute la ville se moquera de moi. Ah. Bon, souhaite-moi bonne chance. Ne regarde pas quand je travaille! Faites toujours pas attention à moi! Très bien, très bien. Quel étage? Embarquement, s'il vous plaît. On y va! Voilà! Premier étage! Mais au-dessus, vous avez dit que c'était le troisième... Mon petite danse pour me détendre. Hu! Ha! Ju! Danse terminée. Allons-y. Ah. Ok, vite maintenant. C'est le grand théâtre. Les performances sont diffusées ici sur scène. Je vais être diffusé à tous ces gens? Sûrement pas, ça c'est ma scène. Ils joueront tes conneries dans ma boîte, dans la boîte. Mais à Calypso, personne ne peut voir la diffusion, hein? Ils pourraient pas s'y connecter accidentellement, on est d'accord? Comment je le saurais? Suis-moi. Pardon, excuse-moi, pardon. Bon, c'est pas une performance traditionnelle, gamin. Y a pas de scène. Enfin, si, la scène, c'est le paysage. Mais il y a aussi des scènes. Tu me comprends? Pas vraiment. Qu'est-ce que je dois jouer? J'ai cette balade folk sur les épreuves d'une vie de mineur et... Non, joue pas ça! La folk, c'est pas ton truc, gamin. T'es complètement différent. Pas le temps de papoter, à toi! Ouais, mais... Est-ce que ce coup-ci, j'aurais le droit à un coca? Très bien. Porte d'Orléans. Eh ben, on n'y est toujours pas. Hein.
Wow. Tu as réussi. Oh, je peux lui mettre un modificateur de voix, mais je préfère éviter parce que sinon ça va être un merdier sans nom à faire après. Violetta ? C'est impossible. Où suis-je ? Tu es maintenant aux confins du cosmos, gosse. Ouah, et tu veux juste que... j'aille y danser ? C'est ça, avec de la malice dans les yeux et du sucre sous les talons. Et je dois faire quoi ? Aller vers l'est, vers les contreforts. Tu dois chercher une créature du nom de Star Gordon. Il t'aidera à retrouver ton chemin jusqu'au poumon. Tu devras obtenir un rendez-vous via son agent. Son agent ? Je crois que c'est sur Holiday Street. Ça risque d'être dangereux, c'est... Ah ouais, c'est super dangereux. Moi, je n'y vais jamais, hein. Et pourtant, j'habite à Sarcelles. Génial. Laisse-moi te poser une question. Quand tu joues de cette folle guitare de science-fiction, qui es-tu ? Le capitaine de mon âme. Un empereur d'étoiles mourantes. Ah putain, aussi stylé que ce soit, si je décide d'être le futur tout puissant, je serai un maître de tous les destins. Bah alors, c'est ce que tu dois devenir. Violetta ! Et merde. Ah putain, en tout cas, j'ai foiré mon entrée. Honte à moi. Plus jamais je me laisserai avoir par surprise comme ça. Est-ce que... je m'aggratte ? Oui, je m'aggratte, c'est bon ! Le gameplay ! Oh ! La gratte, mon gars ! Allons-y ! Impossible ! Oh là 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 là. Ah. C'est stylé, hein? Saute et maintiens Y pour activer la sélection de scène. Ok, très bien. Test 1-2-1-2. Ponder! Ok. Attends, une seconde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, pardon. En 1927, aux confins de l'espace occupé, on découvre un enfant à la dérive dans un rayon à photons. Ses sauveteurs l'appellent Lightman. Avant qu'il n'atteigne ses 12 ans, beaucoup de gens considéraient déjà Lightman comme le plus grand musicien vivant. Ah ! C'est un musée ? C'est de ça qu'il parlait ! Il l'a financé et tout, d'accord. Attends, voilà, excellent. Ouah ! Par contre, le fait de pouvoir sauter comme ça et de faire des bonds,
En plus, il faut savoir que ça carry le momentum, c'est-à-dire que si tu tombes, tu vois, ça te soulève. Si tu fais un double saut, ça te permet de rester. Mais si tu le fais au moment où tu sautes plus haut que si tu faisais le double saut. Il y a un vrai élément de gameplay, si tu veux. Oh là là là. Ah, il faut le faire au premier saut. Oh là là. Donc là, tu peux prendre des pauses absolument incroyables. Je sais même pas pourquoi ça a bugué, mais c'était stylé. Oh la vache, il déchire le frère. C'est ici même qu'en 1952, Lightman débuta sa légendaire tournée du Tisseur d'Or. La tournée s'acheva par une performance tout à fait à part. Un duo avec le Glamourgon. Ce fut le plus grand concert de l'histoire de tout l'univers. Ah, donc le Glamourgon, ça déconne zéro. Buffé avec l'environnement. Hey, réveillez-vous! Et regardez autour de vous! Stylé quand même, hein. Le Glamourgon vit dans la Whale Zone d'Hyperion. Tout le monde est le bienvenu dans la Whale Zone. Mais seuls ceux qui divertissent le Glamourgon ont la permission de partir. Pour beaucoup, c'est un voyage à sens unique. Au péril de sa vie et de celle de son équipage, Lightman arriva sur la Whale Zone en août 53. Ah d'accord. On sait peu de choses sur la biologie du Glamourgon. On le décrit comme... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai pas pu l'ouvrir. On sait peu de choses sur la biologie du Glamourgon. On le décrit comme une vision si brillante que de nombreuses créatures l'observent attentivement et le regardent jusqu'à en mourir. Naturellement, les Glamourgons sont très durs à impressionner. Ah! Mais visuellement, ce jeu est une tuerie absolue! Oh là 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 là! L'enregistrement de Lightman et du Glamourgon ne naquit du concert, on entendit leur duo dans plusieurs dimensions. Et ça a fait de Lightman l'un des artistes les plus importants de l'humanité. Refuse rien. À son retour, Lightman fut nommé commandant
parlant du poumon cosmique. Le poumon est un vaisseau de croisière avec une histoire riche, et c'est là que débutèrent de nombreux artistes de légende. Qu'est-ce que c'est beau, hein! Moi, j'essaie d'écrire la suite de la forteresse du Chaudron Noir, mais à côté, créativement, je suis banqueroute! Oh là là! Oh là 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 là! Des chiens échassés, alpacas, singes, lézards du futur! Eh ben putain! Métal! Glam métal, mais très métal. Qui sait ce que l'avenir réserve à ce genre? Très bien. Fou! Let's go! Bon, si la glace cède sous mes pas, je dis c'est bullshit. Hein. Comparé aux créatures qui viennent de passer dessus, normalement c'est solide. Hein. Allez, avançons. Ah! Holiday Street. Je dois me trouver dans la bonne direction. Il marche pas au milieu de la route, connard! Bon, c'est pas grave. Gollum. Gollum, c'est comme Gollum, mais gros. Ce que nous voulons, c'est du poisson, force à vous. Mais tu sais, il est gros. Bon. Gollum, talent et flair. Ça doit être ici. Lightman. Heliotroms, Glimmerdim, Hyperion, Goldweaver Tour. D'accord, Goldweaver, le tisseur d'or, s'ils en parlaient plus tôt. Star Gordon, en live. Ah, il ressemble à la créature divine du début qui nous a parlé, si tu veux. En tout cas, il a un slip, il est stylé. Atlas Maverick. Classe. Ce chat est un alien, n'est-ce pas? Bon. Salut, Minou Minou! Me touche pas. J'ignorais que tu savais parler! J'ai résisté aussi longtemps que j'ai pu. Tu as l'allure d'une créature en proie aux affres instinctives d'une sorte de vaste migration cosmique. Ouais, si tu le dis, ouais. Est-ce qu'une migration cosmique, ça va et ça vient sans arrêt? Ou est-ce que ça peut être à sens unique? Ça peut être à sens unique. Pourquoi? Tu ne prévois pas de voyage-retour? Non, pas en tant que moi-même. Écoute, j'essaie d'obtenir un rendez-vous avec Star Gordon. Vraiment? Yep. Tu ferais mieux d'y aller directement. Bah, merci infiniment, monsieur... chat. Me parle pas. Oh, ok.
Ça met la pression, hein. Hey, est-ce que tu veux que on se sauce de bœuf? Waouh. Affreux. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'était l'entrée d'un musicien naze, pas une passe d'armes entre ouragans. Mais c'est une foutue monstruosité, regarde la taille du truc! T'es mal à la taille du rat! Non, mais une entrée littérale ou métaphysique ne peut pas être défaite, Francis. Exact. Ah, les premières impressions, t'as raison. Je suis encore en train de tester cette scène hologramme. C'est un projet personnel. Je vais te la faire essayer. T'as vraiment du bol. Wow. Let's go! Le tout-puissant futur! J'en ai une autre. Je suis en train de regarder. Celle du Dreadnought. Allez, let's go. Le Dreadnought de Warhammer 40 000. Tu es plutôt bruyant pour une créature aussi insignifiante. Trop aimable. Et bien sûr, tu cherches à te faire représenter. Non, j'essaie juste d'obtenir un rendez-vous avec Star Gordon. Star Gordon? C'est vraiment sûr? Eh bien, je dois retourner au poumon cosmique et... Je peux comprendre. Mais est-ce que ça vaut vraiment le risque? Quoi? Comment ça? Quel risque? Bah, après tout, ce n'est pas à moi d'en discuter. Je suis sûr qu'il sera content d'avoir du travail. Et est-ce que ça vaut vraiment le risque? Son repère est de l'autre côté de Disco Worm Ridge. C'est pas la porte à côté, humain. Tu peux me croire sur ma bosse. Bon, tout ce que j'ai envie de dire, c'est rendez-vous obtenu. Yeah! Oh, pardon. Désolé. Petit métal de 8 fois. Très bien. Allons-y.
Allons-y. Voilà, Max! J'imagine que c'est l'heure du grand concert. Allons-y. Première note. Et trois. Et quatre.